Aujourd'hui, on a été accueillis au sein du groupe ADEO. C'est une des plus grosses enseignes de bricolage en France et en Europe. Faites les choses par passion. Faites les choses qui répondent à votre conviction profonde de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être. Et vous allez voir, ça va aller. Je crois au déclic. On ne naît pas entrepreneur. C'est la conjonction pour moi de trois événements dans une vie d'homme et de femme. C'est le fruit de sa propre histoire, une volonté forte, le droit à l'erreur, à l'échec, une bonne idée. Et si c'est pas la bonne, il faut en trouver une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et là, pour l'amorçage, une capacité à bouger les lignes. Après, on a invité les participants à créer leur blason. C'est une forme de représentation symbolique de ce qu'est leur style de leadership. L'après-midi, on leur a proposé de se mettre en atelier pour se préparer au pitch du lendemain. Ils ont eu accès au Fab Lab pour pouvoir faire éventuellement des impressions en 3D, pour réaliser des objets. Ils ont également eu accès à la salle vidéo pour pouvoir faire éventuellement une projection audiovisuelle. Et puis, ils ont eu accès à des facilitateurs graphiques pour pouvoir éventuellement faire une charte graphique, un logo, etc. pour exprimer leur projet. Là, d'avoir un logo pour notre projet, t'as l'impression que c'est plus réel encore. Ouais. Imaginez-vous un pays où l'on parle français, mais ce n'est pas la France. Ce n'est ni l'Afrique, mais c'est évidemment le Québec. En fin de journée, ils sont passés devant plusieurs jurys constitués d'experts régionaux sur l'entrepreneuriat social, des membres de la direction du groupe ADEO, des salariés aussi qui ont pris du temps pour pouvoir être ici avec tous les participants à écouter leur pitch. Je demanderai à des retraités qui sont intéressés par cet atelier s'ils veulent participer à l'atelier. J'ai exposé ce que je pensais, j'ai essayé d'incarner ce que je suis, mon projet. L'idée est là, elle plaît, ou en tout cas, il contribue à ce que ça soit réaliste. Il pose des bonnes questions, un peu dérangeantes des fois. Donc c'est bien, je suis content. Ils nous ont donné des bons conseils, ils ont été super à l'écoute et super sincères. Et au moins, du coup, on pourra bien être préparé demain.